contre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est lundi. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je viens de boucler le vlog précédent pour en ouvrir un autre et on va démarrer avec un colo puisque là je suis installée à mon bureau et avant d'emmener ma fille à la gym, je vais colo un petit peu puisque mes couleurs sont prêtes. Donc on va faire ça ensemble et ensuite quand je reviendrai ce soir, je pense que je vais choisir un nouveau bouquin pour entamer une nouvelle lecture. Mais on verra ça après. Donc on se retrouve sur Même. On est mardi soir, désolée pour ma tête, mais j'avais envie de filmer une petite séquence le temps que j'étais toute seule. Et du coup, je suis rentrée super tard, donc du coup, j'avais qu'une envie, c'est de me doucher et de me poser. Et donc, c'est ce que je vais faire après la petite séquence. Voilà, comme vous pouvez voir, ces derniers temps, mes vlogs sont courts, puisque je ne fais pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, je suis pas mal préoccupée, j'ai eu des mauvaises nouvelles, et puis... ça n'arrête pas, on enchaîne les chats malades en plus à la maison, donc autant vous dire que je suis sur la route tout le temps parce que je vais les voir au véto. Voilà, j'ai un chat, mon plus jeune chat qui a été hospitalisé la semaine dernière, qui est resté plus de 5 jours du coup chez le véto, donc je suis allée le voir tous les jours, et autant vous dire que c'est très compliqué, voilà, je suis une hypersensible et donc les émotions sont multipliées par 10. Voilà, mes chats, quoi, ça s'explique pas, je donnerais tout pour eux, et du coup, quand ils sont malades et que je peux rien faire, ben, ça me met dans des états pas pareils, pas possibles, et j'ai tendance à me refermer dans ma bulle, et c'est pourquoi j'ai pas envie de faire, j'ai envie de rien quand c'est comme ça, voilà, j'ai juste envie que ça passe, voilà, je me mets dans ma bulle, et j'attends que la mauvaise bague passe pour passer à autre chose, mais c'est très compliqué, donc du coup, mon deuxième chat, du coup, va mieux, on a une visite de contrôle en fin de semaine, mais là, c'est mon deuxième chat qui est hospitalisé actuellement, puisqu'il a une ulcère à la langue, et bah voilà, donc c'est rebelote, je me remets dans ma bulle, mais je me dis qu'il ne faut pas que je fasse ça, parce que du coup, j'arrive pas à vous proposer du contenu plus long. Voilà, je vous propose toujours des mini vidéos et c'est peut-être moins intéressant pour vous, je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez mes mini vlogs ou quand ils sont plus longs ou si ça vous dérange pas, de un coup long, un coup pas long. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, mais là j'aimerais bien voilà, reprendre les petites séquences plus régulièrement, comme ça, ça vous permet de me suivre un peu mieux, donc les jours où je colorie, les jours où je colorie pas. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, voilà, je vais me poser. Je me suis dit que j'allais prendre un livre. Là, il m'en reste 3 à lire. Et donc, je vais choisir ma lecture pour les prochains jours. D'ailleurs, demain, on est mercredi et c'est 1er novembre. Donc, c'est férié et ça, c'est trop cool puisque du coup, ça va être une vraie journée off puisqu'il n'y aura pas de sport. Voilà, en général, le mercredi, je ne bosse pas, mais c'est pour les enfants. Donc, du coup, je ne me repose pas pareil. Et donc, demain, pour une fois, c'est une vraie journée off. Donc, il y aura pas besoin de bouger. Donc, je vais chiller toute la journée. Et je pense que je vais me faire un bon programme dès le matin. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de tout couper. Là. En plus, je sais que je vais passer la journée à penser à mon chat que je ne pourrais pas aller voir puisque c'est férié.
Donc autant vous dire qu'il vaut mieux que je me mette dans mes loisirs pour éviter de trop penser. Donc voilà, donc je vais choisir un de ces trois livres, je ne sais pas lequel encore, mais il y en a deux qui me font pas mal envie. Il y a Un automne pour s'aimer, d'ailleurs j'ai vu les couvertures des deux prochains, donc il y a le hiver et le printemps sur Amazon, il y a les dates de sortie, allez voir les couvertures, elles sont trop canon. Et ils me tentent bien, donc il faut que je lise pour pouvoir acheter les suivants. Là, on a le pacte avec le roi elfe, mais celui-ci, je vais me garder pour un peu plus tard parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie. Et là, j'ai Frost. Frost me tentait bien aussi. Et comme c'est le moins épais des trois, je pense que je vais partir pour celui-ci puisqu'il me tente bien. Et comme je viens de finir Rebelle University, qui est assez long, qui est assez gros, pourquoi pas repartir avec un plus fin. Voilà, donc je vais relire un peu les deux résumés, voir lequel me tente le plus. pardon. Et je vous montrerai ça donc dans la prochaine séquence. Demain, j'essaierai de vous filmer. J'essaierai de vous filmer quand même un petit peu ma journée. Bien que c'est moins facile quand tout le monde est là, mais je vais essayer de vous faire quelque chose. Et puis on verra. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, puis ben, on se retrouve un peu plus tard. Jeudi soir et il est super tard, il est presque 21h et donc là j'allais me poser. Et là voici mon bébé chat, mon petit Snow qui a été très malade du coup, voilà, qui a eu un problème au foie. Donc de ce côté-là il va mieux, mais lui aussi a attrapé la calicivirus. Donc c'est à surveiller et voilà. D'ailleurs Japinou est toujours hospitalisé, j'espère le récupérer demain. Mais voilà, donc ils sont tous les deux malades et donc apparemment c'est une maladie qui ne se soigne pas, mais à surveiller quoi. Ça ne se soigne pas, mais ils peuvent vivre avec, donc à voir s'ils développent le côté sévère ou pas, si j'ai bien tout compris. Mais en gros voilà, donc c'est des chats qui seront toujours malades, mais on ne sait pas à quelle fréquence. Donc voilà, donc triste nouvelle, je sais pas, j'ai eu trop d'informations ce soir, donc j'arrive pas trop à faire le tri, mais voilà, donc mais pour l'instant, voilà, mon petit Snow va mieux.
J'appuie, je récupère demain normalement. Donc, à voir dans les semaines à venir comment ça se déroule et comment on vivra avec ça. Voilà, donc là j'ai pris un gros coup sur la tête ce soir. Donc, il faut que je digère les informations. Donc voilà. Gomme trop mimi. Donc là, je vais aller me poser avec mon bouquin. Ça va me faire du bien. Et je vous retrouve un peu plus tard. On est samedi matin et je vous reprends de mon lit puisque je viens de bouquiner un petit peu. Et comme d'habitude, je me suis endormie sur mon lit. Je me suis levée hyper tôt ce matin puisque mon chat n'arrêtait pas de miauler. On a récupéré Japy hier soir et il est un peu perdu, donc il a besoin de plus d'attention. Donc monsieur miaule plus souvent. Donc voilà, donc là je vais reprendre un peu ma lecture. Je suis toujours donc dans Frost que j'aime beaucoup, du coup j'avance plutôt pas mal. J'espère le finir ce week-end. Et sinon, je me suis préparé un peu de colo. Voilà, si je suis motivée, puisque j'ai hyper mal au dos, donc je suis mieux dans mon lit. Donc je me suis préparé ma petite table avec mes crayons, un colo dans le fantastique. Et le classique tome 1 pour les contours noirs. Donc voilà. Hop. Donc là, je retourne à ma lecture et j'essaierai de vous filmer si je colo dans mon lit, si j'arrive à m'installer. Sinon, je vous montrerai l'avancée du colo. Et je vous reprends du coup, je vais faire un colo toujours installé dans mon lit. Hop, et je vais regarder Juliette en faisant du colo. Donc j'ai ressorti mon fantastique. Hop. Mon fantastique. Voilà, et je vais mettre en couleur au moins celui-ci pour commencer. Et après, on verra. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous le filmer puisque je suis installée dans mon lit. Et pour l'installation, pour filmer, c'est pas évident. Donc je vous montrerai l'avancée du colo en plusieurs étapes ou quand il sera fini. Je vais voir le temps que je vais mettre à le faire. Et puis voilà. Et ensuite je ferai toujours de la lecture. Voilà, toujours avec Frost. Donc voilà mon programme de samedi après-midi. Voilà, ça fait du bien de pouvoir se poser. Et comme je ne suis pas très très mobile, j'en profite du coup pour chiller tranquillou. Et je vous reprends, on est dimanche matin. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de faire de la cuisine. Voilà, je suis en train de préparer le brunch et j'ai décidé de faire des gaufres ce matin. D'habitude, on fait des pancakes. Mais là, j'avais envie de faire des gaufres, moi j'adore ça. Donc j'en profite le temps que tout le monde dorme parce que je me suis levée encore hyper tôt ce matin. Vu que je tombe le soir et que mes nuits sont courtes, le matin je me lève de bonne heure. Du coup voilà, ça me laisse le temps de faire quelques préparations dans le calme et ça me fait du bien. Et puis hop, regardez qui c'est qu'elle a. Mon petit Japinot qui est revenu donc du coup vendredi soir. Donc ça y est, on voit qu'il commence à aller mieux puisqu'il va de plus en plus souvent dehors. Il commence à manger tout seul, j'arrive à lui donner ses médocs, donc ça c'est cool parce que c'était la partie qui m'inquiétait le plus parce que donner des comprimés à mes chats, moi c'est très très compliqué. Donc je suis contente, j'arrive à le soigner et il recommence à retrouver son train-train, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, moi je vais finir le brunch et ensuite j'irai me poser bouquiner en attendant que tout le monde se lève. Et j'espère faire aussi un petit peu de colo aujourd'hui. Finalement, j'ai pas beaucoup avancé dans mon fantastique puisque hier, ma fille voulait regarder un film d'horreur, mais pas toute seule. Donc du coup, je me suis installée avec elle et on a regardé Conjuring, le premier. Donc voilà, je l'avais déjà vu. Je me rappelais pas de tout, mais voilà, c'était pas ouf, mais suffisamment pour ma fille. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Est-ce que je vous reprendrai plus tard? Oui, je vous montrerai quand même où j'en suis dans mon colo avant de boucler le vlog.
Et puis voilà, ça va être dimanche quand même tranquillou. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Alors on est lundi, je voulais finir hier soir, mais du coup je n'ai pas pu parce que on a eu les parents de mon chéri qui sont venus l'après-midi avec son oncle. Du coup voilà, on a profité de la famille et puis le soir on n'avait pas de, on n'a toujours pas de wifi à la maison depuis samedi il me semble. Donc du coup je me suis installée dans le canapé et j'ai bouquiné. Puis en fait je suis allée au lit hyper tôt. Donc je n'ai pas clôturé le vlog hier, mais voilà, j'ai quand même tout redescendu. J'avais préparé pour filmer ça et voilà, j'avais posé ça en vrac sur ma table. Et donc voilà, donc j'ai pas plus avancé que ça. Mon colo, j'ai commencé le ciel et ça rend trop bien. J'aime bien les couleurs, je trouve ça trop joli. Donc voilà, donc j'espère pouvoir peut-être le finir aujourd'hui. On verra. Mais voilà, l'avancée du colo donc de ce week-end. Et bien sûr, j'ai fini Frost et j'ai adoré. Donc du coup, je vais m'empresser d'aller acheter le tome 2 parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail lors des vidéos spéciales lecture. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos qui parlent que de lecture. Donc voilà, donc je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!